On est satisfait quand même de cette journée parce qu'on a réussi à organiser ce cyclocross en moins de 2 mois et c'était pas évident. Sur le circuit, c'était pas simple avec les conditions météorologiques difficiles. On a eu du vent, c'est ce qui nous a compliqué la vie. On aura des beaux champions, on a eu des belles courses, c'est l'essentiel pour nous, c'est notre récompense. Ouais, c'est la fin, on vient de finir la course. Et au sprint, il me rattrape et il me bat d'une ou deux roues. Merde! Voilà, ça c'est un beau podium. Bah, c'est qu'on a beaucoup à progresser l'un à l'autre. Ouais. Lui c'est au dépassement, moi c'est plus la technique. Voilà, dans la technique. Et puis de toute façon on est copains, puis avant tout, puis voilà. Parti fort. Au fil des tours, j'ai réussi à revenir un peu sur le premier. Et puis dans la dernière remontée, j'ai réussi à passer et partir jusqu'à l'arrivée. Le circuit de Moidieu, bah, il était vraiment bien. T'as mieux ? Ouais. Ça y est, tu respires ? Ah, c'est chaud, hein ? Là, c'est les conditions coupe du monde, là, les gars. Bon, depuis ce matin, on est dans des conditions extrêmement difficiles. La météo est pas du tout avec nous. Il y a des rafales à 100 km/h de vent. On essaye de parer à tous les problèmes qui se présentent. Et toute l'équipe est à fond pour que ça se passe bien. Je crains pas trop le froid, puis j'aimais bien la pluie, tout ça m'allait. J'ai creusé l'avance petit à petit et puis ouais, j'aimais bien le parcours, il était bien boueux. Je pensais pas avoir un aussi gros écart à la fin. Et voilà, je suis content, 3ème, junior 1, donc c'est un bon résultat. Je suis allé chercher la place que je trouve un peu depuis le début de la saison. Je suis toujours un peu sur le podium. Aloïs Chavard, Raphaël Dacosta, Théo de Gache. On se mettait des bonnes boîtes. On dérapait de partout, c'était bien drôle. J'ai vraiment insisté sur les deux premiers tours, en essayant de courir vite et bien à pied. Et ça a fait le trou comme ça. Quand j'ai vu le parcours en vidéo, je me suis dit ça va pas être terrible, il y a beaucoup de routes. Et puis finalement, c'est un beau parcours de cyclocross. Très fort, là très fort, physiquement très fort maintenant. Ouais, c'est un beau souvenir, surtout sur un circuit comme ça. Ouais, c'est la galère, mais c'est top. C'est top. Ouais, j'étais super bien dans les courses à pied. J'ai pris de l'avance à la fin et je suis tombé, et il m'a repris. Il est descendu à fond et après il a chuté là-bas. Et je pense qu'il m'a pris un coup dans la tête et du coup, bah, j'en ai profité et on finit tout seul.